Salut à tous! Je vous propose à présent une histoire de Jean-Pierre Ridette illustrée par Michel Trublin. Cette histoire s'appelle Anga, fils du feu. C'est des histoires que j'aime particulièrement bien. À plusieurs reprises, nous avons eu l'occasion de recevoir la compagnie des Trois Chardons qui nous propose ces histoires avec de magnifiques décors. Donc je vous conseille vivement voilà, de vous rendre sur leur site pour découvrir les autres trouvailles de ces fabuleuses histoires. Je vous propose la couverture ici. C'est au temps de la préhistoire. Il y a très longtemps que vivait Anga. En ce temps de la préhistoire, les hommes ne savaient pas comment faire le feu qui brille dans la nuit. Et chaque nuit, dans le noir, Anga était triste. Dans le noir, Anga avait peur. Dans le noir, tout autour d'Anga lui paraissait laid. Et pourtant, depuis toujours, trois belles flammes chantaient et dansaient sans jamais s'arrêter, tout en haut du grand volcan. Et ces belles flammes formaient un grand feu qui brûlait au loin dans la nuit. Hélas, les hommes de la tribu d'Anga ne voulaient pas monter sur le volcan pour y chercher le feu. Ils craignaient trop le grand maître du feu qui grondait à son sommet, tout bouillonnant de braises rouges. Mais Anga ne voulait plus être triste dans le noir. Il ne voulait plus avoir peur dans le noir. Il ne voulait plus que tout dans le noir lui paraisse laid. Un jour, donc, Anga se décide. Un jour, seul, Anga quitte sa tribu pour monter sur le volcan et demander un peu de feu au grand maître du feu. Mais Anga est à peine arrivé au sommet du volcan qu'il entend une voix énorme qui l'arrête. C'est la voix accablée du grand maître du feu. Anga, un grand malheur est arrivé, gémit le grand maître du feu. Les trois brachibrouques ont enlevé mes filles, les belles flammes du volcan. Chacune dans un cratère, ils les ont enfermées. Anga, si mes filles ne reviennent pas bien vite auprès de moi, alors elles perdront toute leur force, et puis elles s'éteindront, et dans le noir, les brachibrouques deviendront les maîtres de la nuit. Et dans le noir, la tristesse, la peur et la laideur régneront pour toujours, tout au long des longues nuits. Sans hésiter alors, Anga s'élance vers le premier cratère des brachibrouques. Mais tout autour de ce cratère tourne Brachibraque, le plus sinistre des brachibrouques. Tout autour du cratère, il veille et il attend, car Brachibraque le sinistre n'aime que la tristesse au milieu des nuits noires. Et du sombre cratère s'élève la voix faible de la fille du feu qui lentement s'éteint. Alors, Anga chante la chanson des filles du feu. Et la fille du feu, en entendant Anga, lui répond en chantant. Mais Brachibraque le sinistre ne veut pas entendre la fille du feu chanter. Pour l'en empêcher, au-dessus du cratère, il se penche.
Mais la fille du feu, entraînée par Anga, continue de chanter. Et Brachibrac, au-dessus du cratère, se penche encore. Alors Anga se précipite. D'un seul coup, il pousse Brachibrac. Et Brachibrac, le sinistre tombé, poussant un cri sinistre, s'enfonce tout au fond du cratère sans fond. Aussitôt libérée, la fille du feu s'échappe. Et bien vite, avec elle, Anga s'élance vers le deuxième cratère des Brachibrouk. Mais tout au bord de ce cratère se dresse Brachibroc, le plus terrible des Brachibrouk. Tout au bord du cratère, il veille et il attend. Car Brachibroc le terrible n'aime rien que la peur au milieu des nuits noires. Et du sombre cratère s'élève la voix faible de la fille du feu qui lentement s'éteint. Alors, Anga chante sa chanson de petit garçon. Avec courage, il la chante, bien fort, face aux grandes roches de la montagne. Et les grandes roches de la montagne, en écho, lui répondent bien fort, comme 100 Anga rassemblés. Et Brachibroc, le terrible, entend ces 100 Anga qui chantent et qui s'approchent. Et Brachibroc prend peur. Alors Anga chante plus fort, et les grandes roches de la montagne en écho lui répondent encore plus fort. Et Brachibroc le terrible a terriblement peur de tous ces Anga qui chantent et qu'il ne voit pas. Il a lentement, il a tellement peur que pour leur échapper, il saute et, poussant un terrible cri, s'enfonce tout au fond du cratère sans fond. Aussitôt libérée, la fille du feu s'échappe. Et bien vite, avec elle, Anga s'élance vers le troisième cratère des Brachibrouk. Mais tout au-dedans de ce cratère se cache Brachibruk, le plus horrible des Brachibrouk. Tout au-dedans du cratère, il veille. Et il attend, car Brachibruc l'horrible n'aime que la laideur au milieu des nuits noires, et du sombre cratère s'élève la voix faible de la fille du feu qui lentement s'éteint. Avec prudence, alors, Anga s'approche. Mais par surprise, Brachibruc l'horrible l'attrape. Agrippé d'une main tout au bord du cratère, il tire Anga de l'autre main. Tout au fond du cratère, il veut le faire tomber. Mais les filles du feu, de nouveau réunies toutes ensemble, commencent à chanter. Et leur chant est si beau que Brachibruc l'horrible ne peut le supporter. Pour ne plus l'entendre de ses deux mains, il se bouche les deux oreilles et lâche tout à la fois Anga et le bord du cratère. Et Brachibruc l'horrible bascule et poussant un horrible cri, s'enfonce tout au fond du cratère sans fond. Alors, tout en chantant,
Les trois filles du feu montent sur le volcan pour retrouver enfin le grand maître du feu. Et tout en chantant, Anga les suit. En retrouvant ses filles au sommet du volcan, le grand maître du feu bouillonne de plaisir. Anga a délivré les belles flammes. Anga a sauvé le grand feu. Alors, le grand maître du feu offre à Anga les plus rouges des braises du volcan pour qu'il les redescende dans sa tribu. Et dans sa tribu, Anga souffle sur ses braises, et de ses braises monte un grand feu qui brille dans la nuit. Et dans la lumière de ce feu, Anga est heureux. Dans la lumière de ce feu, Anga se sent fort de courage. Dans la lumière de ce feu, tout autour d'Anga lui paraît beau. Voilà, l'histoire est finie. J'espère que vous passerez une bonne journée et je vous dis à bientôt. Gros bisous!